En fait, vous pouvez passer de la case amateur à la case expert sans changer de matériel. Ce qui compte, c'est le premier coup d'œil. Dès les premières images, votre visiteur se crée une perception qui dépend avant tout de la façon dont notre cerveau traite les signaux visuels. Et on va utiliser ça à notre avantage. Aujourd'hui, nous allons commettre un meurtre. Oui, oui, nous allons tuer une bonne fois pour toutes le schtroumpf qui sommeille en vous. Vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué les 4 erreurs d'amateurs à éviter. La première erreur, c'est de faire le schtroumpf comme ça. Vous avez vu? Il y a quelque chose qui ne va pas, mais quoi au juste? Comment se fait-il que si je suis comme ça, c'est crédible, alors que comme ça, bah, ça ne passe pas? Même caméra, même éclairage, bon, le fond, il est différent, mais regardez. En fait, c'est pas le fond qui fait cet effet-là. Vous avez compris, ce qui compte, c'est le cadrage et pas besoin d'avoir une caméra professionnelle ou une armada de caméraman pour y arriver. En fait, dans la vraie vie, notre cerveau est habitué à traiter les signaux visuels périphériques, c'est-à-dire les choses qui se trouvent autour de nous, mais pas exactement devant nous. Et il adapte le mouvement des yeux pour les remettre bien en face de nous. Il fait ça en permanence sans nous en rendre compte. Mais dans une image cadrée, que ce soit un tableau, une photo, une peinture, une vidéo, c'est plus l'information visuelle qui nous entoure, c'est au contraire, c'est l'information visuelle qui se trouve à l'intérieur d'un cadre. Et ça, ça perturbe énormément notre cerveau parce que si on pose un cadre qui limite la zone de recherche d'informations visuelles, alors on oblige notre cerveau de recherche d'informations périphériques de se mettre au repos. Et c'est un truc qu'il ne sait pas faire. Du coup, il s'ennuie et en conséquence, nous aussi. Si je prends cette photo, le sujet est en plein milieu de la cadre. La photo est mauvaise, ennuyeuse. Maintenant, on va déplacer le centre d'intérêt de la photo loin du milieu de la cadre. Regardez tout d'un coup, la photo gagne en attractivité. En général, quelqu'un qui débute en vidéo et qui veut se filmer va poser sa caméra sur un trépied et dans 80% des cas, se mettre juste devant, en plein milieu de l'image. Mauvaise idée! On ne peut pas faire pire! En fait, le cortex occipital qui est là, qui est celui qui traite les signaux visuels, du coup ne travaille plus. Il s'ennuie et c'est un ennui qui est contagieux. La conclusion rapide pour votre cerveau, c'est que cette situation est ennuyeuse.